séduit son homme pour le rendre accro. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment séduire son homme pour le rendre accro? Oui, c'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que quand tu es avec ton homme, il doit être amoureux de toi. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ton homme, il doit être accro à toi. C'est ça. Parce qu'un homme, même quand il est accro à toi, vous ne pouvez pas comprendre. Il est malade de toi. Il est fou de toi. Il est zinzin de toi. Oui, il y en a qui disent oui, mais quel que soit ce que tu feras, un homme ira dehors. Oui, il ne s'agit pas de ça ici. Il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que ne déplaçons pas le débat. On vous parle de comment rendre un homme accro, comment le séduire. Oui, parce qu'un homme, il reste un homme. Un homme, ça dit, il peut être fou de toi, il peut être accro à toi. Et puis, il va désirer une autre personne dehors, une autre femme dehors. Et puis, il va aller tomber dans les griffes d'une autre femme. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, là, c'est que même quand il fait ça, là, qui est dans sa tête? Même quand il fait ça, là, son lent, là, ça reste où? Quand il fait ça, là, qui gère le porte-monnaie? Qui gère le foyer? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, une femme, même quand tu gères le porte-monnaie, quand tu gères le foyer, quand ce que tu dis là, c'est ce qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle mon mari, il est accro à moi. C'est ça qu'on appelle mon homme, il est accro à moi. Maintenant, s'il va dehors là, il va aller au mougou dehors. Mais c'est un franc, ça ne reste pas dehors. Oui. Père, il y a des femmes dehors, il y a des maîtresses dehors. Il dit oui, moi je suis un homme mari, il est avare. Moi je suis un homme mari, il est trop avare, il ne me donne pas de jet. Oui, c'est ça. Père, sa femme qui est à la maison là, elle a tamponné. Père, celle qui est à la maison là, elle est séduisante jusqu'à oh là là. Donc, quand il sort, là, il mougou seulement. Mais son jeton ne reste pas dehors. Son lent ne reste pas dehors. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il est avare dehors. Mais à la maison, là, il donne comme ça. À la maison, là, le jeton coule. Ma chérie, le jeton coule. Quand tu veux changer de voiture, tu as une nouvelle voiture. Quand tu veux y aller de ça, tu as ça. Quand tu veux les accessoires, tu as ça. Père, tu l'as tamponné. Maintenant, s'il allait vider ses couilles dehors, ça, c'est lui qui voit. Si une go même s'est dit que si elle est prête à sortir avec un homme marié, puis il est avare, il ne lui donne rien, c'est elle qui voit. C'est que elle, là, sa malédiction, là, elle est en train de doubler ça. C'est que elle, son péché, là, c'est un péché gratuit. Ben, elle-même, elle va aller à l'enfer. Dieu va la juger gratuitement. Ben, moi, c'est ce qu'il dit. Quand tu veux pécher, il faut bien pécher. C'est-à-dire que quand toi, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, là, il faut bien faire. Comme ça, au moins, quand Dieu va te punir, là, tu as dit, ah, mon cher. Moi, il est fait pour moi, il a gagné ça, il a gagné ça. C'est ça qu'on appelle, c'est ça le wolé wolé. Oui, alors le thème c'est comment séduire son homme pour le rendre accro. Oui, c'est important. Mes femmes sûres, cette perruque que je porte, c'est une dame qui m'a offert ça. Je vais vous donner son nom. En fait, elle a un salon de coiffure. Son salon de coiffure, c'est LVS Cosmétique. Voilà, le nom de son salon, c'est LVS Cosmétique. Son adresse, c'est 8. Prenez note, hein, les filles, parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais plus parler de ça, donc prenez note. Et puis, mes filles, écrivez l'adresse. Voilà, c'est LVS Cosmétique. Elle est située au 8 avenue Victor Hugo, 92 220 Bagneux. Elle est à Bagneux. Voilà, c'est dit, elle est ici à Paris, hein, en banlieue parisienne. Elle est à Bagneux. Je répète, hein. C'est le salon de coiffure, c'est LVS Cosmétique, 8 avenue Victor Hugo, 92 220 Bagneux. Vous pouvez la joindre au 06 16 86 0061. Je répète, 06 16 86 0061. Pour tous ceux qui veulent la joindre en dehors de la France, elle peut vous expédier vos perruques. Ne vous inquiétez pas. Vous faites le 00 336 16 86 0061. Oui, ma chérie, comment elle s'appelle? Yvette Ngo Matip. Son Facebook, c'est Yvette Ngo Matip. Oui, merci à toi Yvette pour cette magnifique perruque. Cette perruque fatale, elle me plaît, c'est trop chic. Oui, c'est quoi ça? C'est important. Oui, vous savez, ça dit que pour séduire même son homme, pour séduire même son mari, pour séduire sa moitié, il faut prendre soin de soi. C'est très important. Il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de toi. C'est très important de prendre soin de soi. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu veux séduire même un homme, ton apparence, ça compte. Il y a des gens qui disent, oui, l'apparence, ça ne compte pas. L'apparence compte. En tout cas, pour un homme, l'apparence compte. C'est-à-dire que si vous avez remarqué,
quand vous êtes dehors comme ça, vous voyez les hommes, quand ils voient une fille passer, qui est habillée bien sexy, chic, qui a mis ses formes en valeur, les hommes, quand ils sont en train de passer, ils tournent tous la tête. Eux tous, là, ils tournent leur tête. Oui, mais toi, Ngo, il faut passer tout de suite. Même si tu es jolie, comment, il faut passer, il faut être en jogging. Ou bien, il faut être d'un style un peu camouflant, ou même porter un gros boubou. Quand tu passes là, quelle que soit ta beauté, il n'y a même pas un homme qui te regarde. Même pas. C'est celle qui est passée chic, là, sexy, là, qui a mis ses formes en valeur. C'est elle, tous les hommes regardent comme ça. En fait, c'est pour vous dire que l'homme, là, il s'intéresse au physique. L'homme, il s'intéresse à l'apparence. C'est-à-dire que toi, une femme même qui dit l'apparence, ça ne compte pas. Oui, c'est le cœur. Oui, le cœur, là, ça, c'est après. Mais d'un premier temps, là, l'homme même, parce que l'homme, c'est ce que je vous dis, j'ai dit, l'homme, sa réflexion n'est pas loin. Ça veut dire que l'homme même, il a l'instinct animal en lui. L'homme même, c'est un chasseur. Et donc, l'homme, plus ton apparence est waouh, plus tu le séduis, plus tu l'attires. C'est très important. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, le style vestimentaire, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme même, il ne faut pas te dire que parce que ta copine a porté une tenue vestimentaire qui lui va, mais très, très, très bien, il ne faut pas croire que toi, cette femme-là, tu peux aussi mettre ça. Il faut regarder tes formes. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, une femme stylée, c'est celle-là même qui connaît ses formes. C'est celle-là même qui sait ce qui fait ressortir sa beauté. Ce qui fait ressortir sortir ses atouts. Voilà, parce que moi, je connais ma forme. Je connais ma forme. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ce porc-là. Voilà, les amis, on ne perd pas le temps. Les cochons, les porcs qui viennent sur mon direct, les racistes, là, ils le bloquent. Les cochons, là, moi, je ne suis pas dans leur affaire. Voilà, toi qui n'es pas intéressé, tu dégages de mon direct. Je n'aime pas la marmaille. Moi, je ne suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. Je veux que les personnes caviar me suivent. Alors, la marmaille, je vous bloque tout de suite. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est très important, toi, une femme, d'être toujours chic, d'être toujours bien présentable. C'est très important. Toi, une femme, tu dois connaître ta forme. Toi, une femme, tu dois savoir ce qu'il te convient. Toi, une femme, tu dois savoir ce que tu dois mettre. Quand toi, une femme même, tu sais que tu es en Togo Moro. Voilà. Moi, je dis très souvent le Togo Moro parce que, bon, c'est ce qui vient dans la bouche. Mais quand toi, une femme même, tu sais que tu es en Togo Moro, ma chérie, que tu vois ta copine, elle a porté, par exemple, une combinaison. Oui, la combinaison, elle est très moulante. C'est vrai que ta copine a porté, elle a des formes, mais vraiment, ce qu'il faut. Et donc, quand elle porte la combinaison est waouh sur elle. Ma chérie, quand toi-même, tu sais que tu es en Togo Moro, tu vas pas aller mettre la combinaison. Parce que quand tu vas porter la combinaison, là, au lieu que tu séduises ton homme, tu vas l'énerver. Parce que lui-même, quand lui-même va te regarder dans ta combinaison, la façon même, ta forme est disproportionnée là. Il va dire, mais ma chérie là, elle aussi, elle ne se connaît pas ou pas. C'est quel habit elle allait porter. Est-ce qu'on a forme comme ça là, c'est combinaison on va porter. Donc je veux dire, c'est important de connaître sa forme. C'est très important, c'est-à-dire que toi une femme même, il faut que tu saches sur toi ce qui est waouh. Parce que c'est ça, ça c'est très important. Parce que toi une femme même, pour séduire ton homme, il faut que tu connaisses tes atouts. Moi, par exemple, mes atouts, je sais que mes atouts, c'est ma poitrine. Je sais que mes atouts, c'est mes jambes. Voilà. Donc, quand je suis habillée, il faut toujours que ma poitrine soit à l'avant, en avant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ma poitrine soit en avant. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'attirer des hommes, mais j'ai envie de séduire mon homme. J'ai envie de rendre mon homme dingue. Donc, ma poitrine qui est mon atout. Mes yeux qui sont un atout pour moi, quand je suis habillée, dans ma façon même d'être, dans ma façon même de faire, c'est-à-dire que mes yeux, je joue avec mes yeux. Et ma poitrine, on sent tout de suite que voilà. Parce que vous savez, il faut comprendre que, ne pas confondre une femme sexy à une femme vulgaire. Parce que c'est ça, vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand une femme est vraiment sexy, quand elle fait ressortir ses atouts, on dit celle-là, elle est vulgaire, elle veut attirer les hommes. Non. Elle n'est pas vulgaire, elle est sexy. Une femme qui est vulgaire, c'est une femme en fait qui ne connaît pas sa forme, qui porte tout ce qu'elle veut et qui ne montre pas bien sa forme, qui ne fait pas bien ressortir sa forme. Alors cette femme-là, elle est vulgaire parce que ce qu'elle a mis, ça ne lui va pas. Et donc, elle est bizarre. Une femme qui est vulgaire, c'est celle-là même qui se maquille, mais de façon exagérée. Voilà. Mais une femme qui se maquille, elle n'est pas vulgaire. Elle n'est pas artificielle parce que de toute façon, que la femme elle soit artificielle ou pas, les hommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils regardent? Les hommes, ils aiment les femmes artificielles. En fait,
On fonctionne, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, elles sont à l'image de l'époque. Elles sont à l'image de ce qui plaît aux hommes. Un homme, c'est dit qu'il faut rester naturel. Tu t'arrêtes là. Tu prends une fille qui est bien maquillée, qui a porté, qui a bien fait ses cheveux, que ce soit une perruque ou ses cheveux même naturels, mais qui présente très bien. L'homme, quand il voit tout de suite, il va vers celle qui présente bien. Il va pas vers celle qui est naturelle, naturelle. Non. Donc, c'est dit que les hommes qui disent oui, les femmes qui disent oui, l'homme, il regarde plus le naturel. L'homme, il regarde le naturel. Il regarde surtout une femme qui se connaît, c'est-à-dire qu'une femme qui sait se maquiller, qui n'est pas dans l'extravagance, une femme qui se connaît, qui porte des vêtements qui font ressortir son atout. C'est ce que les hommes regardent. Sinon, femme naturelle, là, laissez ça sur le côté. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, on fait rien ça. Pas une femme même qu'un gars de ses cheveux naturels, là, mais son visage, là, elle essaie de se maquiller un peu. Elle met un peu les faux cils. Elle met un peu ses sourcils. Elle n'est pas naturelle. Elle s'entretient. Donc, laissez à faire des naturels. Là, ça, c'est autant d'Ablapoku. Au passage, je fais un gros big up à ma reine Ablapoku de Baoulé. Oui, on dit, toi, tu parles tout le temps d'elle. Oui, c'est ma reine préférée, c'est ma chérie. Donc, c'est important. Vous savez, moi, je dis toujours, hein, je dis, vous savez, les tissages sur la tête. Toi, une femme même, tu vis avec un homme, tu es mariée, ma chérie. Voilà, mais tu fais une coiffure sur ta tête, tu fais un tissage sur ta tête. Le tissage, il fait 1 mois, il fait 2 mois sur ta tête. C'est pas normal. Enfin, je dis, c'est pas normal. Tu n'es pas séduisante. Parce que à chaque fois, ton mari voit la même coupe. À chaque fois, il voit la même coiffure. Et puis, le tissage, arrivé à un certain moment, il devient bizarre. Le tissage, arrivé à un certain moment, il dégage des odeurs. Donc, toi, une femme, même quand tu fais une coiffure, quand tu veux te tisser, parce qu'il y a des femmes qui se tissent encore, maintenant, il y a des femmes qui, elles, porte que des perruques. Mais toi, une femme même, quand tu ne veux pas porter des perruques, que tu veux te tisser, il faut que tu saches que ta coiffure, tu dois la changer de temps en temps. Mais tu as un tissage sur ta tête, ça fait 2 mois, 3 mois, c'est sur ta tête. En bas, là même, est devenu sale. Juste quand ça a poussé, juste quand il y a un repousse comme ça, tu es à la maison. Ton mari même, là, ça veut dire que tu as le séduit comment? Tu as le séduit comment? Aujourd'hui, la femme même doit avoir une, deux perruques. C'est-à-dire que toi, une femme, même si tu n'as pas perruque, là, tu dois avoir minimum 2 perruques chez toi. Comme ça, c'est-à-dire que tu changes de coiffure. C'est-à-dire que ton mari aujourd'hui te voit, tu as mis cette coiffure-là. Voilà. C'est-à-dire 2 jours, 3 jours après, il te voit, tu as mis une perruque d'une autre couleur. Il s'est dit, waouh! Mais ma femme, elle change de personnalité parce que c'est important. Vous savez, la séduction même, c'est la personnalité de la femme. C'est-à-dire que c'est l'image que tu donnes à ton mari. C'est-à-dire quand tu montres à ton mari que à chaque fois, il est avec une nouvelle personne, c'est ça, les hommes, c'est ce qui les intéresse. Avoir l'impression d'être avec de différentes femmes. Parce que l'homme même, en fait, si vous voulez, il s'en lasse vite. L'homme, en fait, il a toujours besoin du renouveau. Ça, c'est l'homme, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand il est avec toi, il t'aime comment. Mais arrivé à un certain moment, il a besoin de nouveauté. Il a besoin qu'on le surprenne un peu. Donc, toi, la femme, pour avoir plusieurs rôles dans ton foyer, pour avoir plusieurs visages, plusieurs têtes dans ton foyer, tu dois changer de coiffure de temps en temps. Tu dois changer de perruque de temps en temps. Quand ton mari rentre comme ça, il te voit, tu as mis une perruque, ça. Un autre jour, il rentre, tu as mis une autre perruque. Il s'est dit, mais ma femme, elle change de personnalité. Et il a l'impression d'avoir plusieurs femmes. C'est ça. Il a l'impression d'avoir plusieurs femmes. C'est très important. Vous savez, moi, je disais une fois dans ma vidéo, je dis, vous savez, toi, une femme, même quand tu es avec ton mari, c'est vrai, c'est ton mari. Mais toi, fais très attention. C'est-à-dire que tu dois être un mystère. Tu dois rester un mystère. C'est très important. Toi, une femme, même quand tu restes un mystère dans ton foyer, dans ton couple, c'est très important. Voilà pourquoi je demande aux femmes, je dis, fais très attention. Il y a des femmes qui ont cette facilité-là à se déshabiller comme ça à la maison. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont à la maison. Elles sont en soutien. Le soutien même laisse à désirer. Ça veut dire, c'est un soutien à la base qui a été acheté blanc. Mais le soutien même est devenu jaune ou le soutien est devenu un peu bordeaux. Et puis bon, comme tu t'es dit, tu es marié, ton homme, voilà, c'est fini, il t'a déjà marié, vous êtes ensemble, tu n'as plus besoin de prouver. Toi, la femme, tu es à la maison, tu es déjà torse nu avec un soutien sur toi. Le soutien même est d'un état, mais vraiment qui reste à désirer. Et puis tu es devant le monsieur. C'est-à-dire que quand tu regardes même la manche du soutien, il y a des boules dessus comme ça. Le soutien même, c'est-à-dire que les bretelles où on doit un peu agrandir, pour toi-même, il n'y a plus de bretelles. Ça veut dire que tu as pris le soutien là, tu as attaché sur le côté et puis soutiens-les sur toi comme ça. Tu es assise à la maison, ton mari te regarde, tu as mis un soutien bizarre, mais le monsieur il te regarde. Comment tu vas être séduisante? Comment tu vas l'attirer? Tu peux pas l'attirer.
Non, tu ne peux pas l'attirer. Enfin, je veux dire, toi, une femme, même si tu penses que tu n'as pas beaucoup de soutien et tout, vaut mieux t'habiller. Vaut mieux porter un habit où le monsieur ne voit pas ton soutien, il ne voit pas tes seins. Enfin, je veux dire, la nudité d'une femme, toi, une femme, même quand tu es mariée, ne pense pas que ta nudité, ton homme, il doit voir ça n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu es enceinte, ce n'est pas parce que tu as eu un enfant, deux, trois enfants, que ton mari doit voir ta nudité n'importe comment. Au salon, tu es nue. Dans le couloir, tu es nue. Dans la chambre, tu es nue n'importe comment. Non, un homme même qui te voit trop nue, arrivé à un certain moment, ta nudité ne lui fait plus rien. C'est très important. En fait, ça fait partie de la séduction. Tu dois garder un mystère. C'est-à-dire que ton corps même doit être un mystère. Tu dois donner l'impression à ton mari qu'il ne t'a pas entièrement. Tu dois montrer l'impression. Tu dois donner l'impression à ton mari que ton corps, il ne le connaît pas à 100%. C'est très important. C'est ce qui attire même l'homme. En fait, c'est comme un défi pour lui. C'est très important. Toi, une femme même, c'est ce que je disais. Je dis, toi, une femme même, quand tu es dans la salle de bain, que tu es en train de te pouponner, tu es en train de prendre ta douche, tu es en train de prendre soin de toi. Voilà, tu t'es dit, bon, mon mari peut rentrer comme ça, ce n'est pas un problème. Non, ma chérie, ton mari ne peut pas rentrer comme ça. C'est ça, en fait, la séduction. C'est-à-dire que le monsieur, faut qu'il reste un peu, il faut qu'il se pose un peu des questions. Ah, ma femme, comment elle fait pour devenir comme ça? Ah, mais elle est en train de faire quoi là-bas? C'est ça. Mais toi-même, tu es dans la douche, tu es en train de t'épiler, ton mari est là. Tu es en train de te laver, ton mari est là. Tu es en train de prendre soin de ton visage, ton mari est là. Tu es nu, blakata. Tu es devant ton mari dans la douche comme ça. Non, il faut garder un peu de mystère, ma chérie. C'est ça la séduction. Parce que les hommes, ils sont très bizarres. C'est-à-dire que les hommes arrivés à un certain moment, ils s'enlacent vite. Voilà, les hommes, ils s'enlacent très vite. Et donc, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, si tu as envie que ton mari soit toujours fou de toi, si tu as envie que ton mari, tu as envie d'attirer toujours ton mari, il faut que ton corps, il le voit moins nu. Ton homme, il doit voir ton corps nu quand vous êtes dans l'intimité. Pas n'importe comment dans la maison. Faites très attention, les filles. Faites très attention. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, quand elles sont à la maison, c'est fini. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dans la facilité, elles vont porter un gros jogging là-bas avec un gros t-shirt très large, elles sont à la maison. Elles se disent, bon, je suis à la maison, hein, je reste en jogging. Voilà, là, je me sens à l'aise dedans. Ma chérie, fais très attention. Ça, c'est ce que tu fais de temps en temps. Mais si à chaque fois dans ton foyer, ton mari, vous êtes à la maison, tu es en jogging, des t-shirts très larges ou même des boubous très larges, ma chérie, ben tu ne séduis pas ton mari parce que c'est pas quand ton mari va être au travail que tu vas t'habiller chic, sexy. Ou bien c'est pas quand toi tu dois sortir seulement, parce que c'est ça. Malheureusement, il y a des femmes, c'est quand elles doivent sortir, c'est quand elles doivent aller au travail ou c'est quand elles doivent aller quelque part qu'elles se rendent belles. Non. Toi, une femme à la maison, même faut te rendre belle. C'est-à-dire que même quand tu sors pas, parfois rentre dans la douche, lave-toi, maquille-toi, mets ta belle perruque ou même tes cheveux, fais-le bien. Et puis, porte une belle petite tenue où ton mari pense que tu veux sortir. Et puis, tu lui montres que non, je ne sors pas, je suis à la maison. Donc, ça veut dire que tu es à la maison et puis tu es chic. Tu es chic, tu es légèrement maquillé, tes cheveux sont bien. Voilà, tu as porté une belle petite tenue chic. Le monsieur, même quand il te voit comme ça, tu le séduis. Le monsieur, quand il te voit comme ça, tu le séduis. C'est ça. Moi, je dis, il y a des tenues comme ça qu'on porte à la maison. Moi, je vous dis toujours, je dis, ne vous prenez même pas la tête. C'est-à-dire que ne vous prenez même pas la tête, ne vous compliquez même pas la vie. La femme, en fait, il y a ce qu'on appelle le collant. Voilà, c'est-à-dire pour la première fois, oui, là, il y a des femmes qui se compliquent la vie, qui disent, bah, comment je fais pour prendre des tenues, des petites tenues à la maison, pour séduire mon mari. Je dis, mais ma chérie, te prends pas la tête. Te prends même pas la tête. Si tu es à la maison, c'est-à-dire qu'il y a une tenue tellement classique, mais une tenue tellement simple, qu'une femme, quand elle porte à la maison, oblige son mari, il est satisfait, c'est agréable. C'est le collant. C'est le collant. C'est-à-dire que le collant, là, il y a quelques... C'est-à-dire, moi, je dis, ceux qui ont créé le collant, là, ceux qui ont fabriqué le collant, c'est Dieu même qui les a inspirés. Parce que collant, il y a deux types de collants. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de collants. Il y a le collant que tu portes, qu'on appelle le leggings, que tu portes pour sortir. Ça, c'est épais. Non. Et il y a les collants qui sont très légers. Voilà, très, très légers. C'est-à-dire que c'est des collants, quand tu portes même là, on dirait même que c'est ton corps. Voilà, c'est-à-dire le tissu est très léger comme ça. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu dois avoir ces petits collants. Alors, on ne te dit pas de prendre les longs. Prends des collants qui arrivent aux genoux. Prends des collants qui arrivent à la cheville. Voilà, c'est-à-dire les 3/4, les 4/4, ou bien les petits collants qui arrivent comme ça, juste avant le genou.
tu as ça à la maison, tu as des petits t-shirts comme ça que tu achètes, des t-shirts sans nom, qui ne sont pas forcément de marque, mais en fait, tu prends plein de couleurs comme ça, blanc, rouge, voilà, tu prends des couleurs, et puis tu as ça à la maison. Donc, quand tu es à la maison, tu te laves un peu, tu te fais un petit maquillage, tu portes ton petit collant, tu mets ton petit t-shirt dessus, ton mari, même quand il te regarde, de toute façon, tu défiles devant lui, quand il te regarde là, quand tu es dans la cuisine, même, il te regarde là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, on ne te dit pas de ne pas mettre tes boubous. Les boubous, bon, c'est notre culture. Mais je veux dire, toi, une femme, ne te dit pas qu'à la maison, tu vas être tout le temps en boubou. Tu vas être tout le temps en morceau de pain. Non. Le morceau de pain, quand tu veux l'attacher, attache-le de façon séduisante. C'est très séduisant. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu attaches ton morceau de pain, et tu attaches ton morceau de pain comme si tu étais autant à Dabla Poku, c'est énervant. Oui, attends, il a bloqué celui-là. Attends, il a bloqué ça. On ne perd pas le temps, bloqué. Voilà. Blocage. On m'a montré comment on bloque. Donc, quand je vois les commentaires bizarres, blocage. Oui. Toi, une femme, même, tu peux mettre ton boubou. C'est-à-dire que tu peux porter ton boubou, il n'y a pas de souci. Mais enfin, je veux dire, de temps en temps, comme ça, il faut essayer d'alterner. De temps en temps, tu es dans ton boubou. Et de temps en temps, tu portes ton petit collant avec le petit t-shirt. Ou même quand tu portes le pain, tu ne le portes pas de façon trop stricte. C'est-à-dire que le pain, faut pas attacher le pain comme si, en fait, tu sortais trop sérieusement. Non. C'est-à-dire que le pain, quand tu l'attaches de façon débraillée. Tu vois, le pain, tu l'attaches de façon débraillée. Genre, tu as attaché là. De toute façon, tu as attaché ton pain là. On dirait que ça veut tomber. On dirait que ça veut tomber. On ne sait pas si c'est mal attaché ou c'est pas bien attaché. Dans le genre, tu ne sais pas attacher un pain. Voilà, j'ai dit dans le genre, j'ai une copine comme ça qui, elle, pour attacher son pain, elle n'est pas gauchère, mais quand elle attache son pain, elle attache son pain à gauche, quoi. J'ai dit, voilà, elle fait genre, elle est gauchère, alors qu'elle n'est pas gauchère. Donc, ça donne l'impression que le pain va tomber. Ça donne l'impression que le pain n'est pas bien porté. Tout ça, c'est la séduction. Tout ça, c'est la séduction. C'est-à-dire que quand toi-même, tu attaches un morceau de pain, que ton mari même regarde, le pain est mal attaché, ton mari pense que ça va tomber, alors que ça ne tombe pas. C'est ça, la séduction. Je dis, à la maison, dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait de la séduction. Il faut que ça fasse partie même de toi. C'est très important. Et puis, vous savez, moi, je dis toujours, le parfum, c'est quelque chose, mais vous ne pouvez pas comprendre. Une femme qui sent bon, oui, attendez, il a bloqué ça. Voilà. Il bloque ça vite, vite. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que le parfum, c'est quelque chose de très important. Toi, une femme qui sent bon, mais il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que toi, une femme, ne te dis pas que tu dois mettre un parfum quand tu veux seulement sortir. Non. C'est-à-dire que le parfum, tu le mets même à la maison. Ton parfum que tu mets pour sortir, là, à la maison, là, il faut que tu te parfumes. C'est-à-dire que même quand tu es à la maison, là, il faut que tu sentes bon. Tu mets ton petit parfum, tu mets ton petit stick, tu sens bon. C'est important. Parce que l'homme, même quand tu t'assois à côté de lui, ou même quand tu es en train de passer comme ça, c'est-à-dire l'odeur de ton parfum reste. Mais c'est tellement chic, c'est tellement sensuel, et puis c'est tellement attirant, et puis c'est ça même la séduction. Donc toi, une femme, ne te dis pas qu'à la maison, tu ne dois pas sentir bon. Tu sens la transpiration comme ça parce que tu te dis que tu es trop occupé. Ok, pour t'occuper, mets un peu de parfum sur toi. Mets ton stick sous tes aisselles, mets un peu de parfum, tu sens bon. C'est important, c'est très important. Vous savez, moi je dis toujours que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu veux te coucher auprès de ton mari, parce que c'est important, moi c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, toi, une femme, quand ta nudité est rare, c'est-à-dire que quand ta nudité est très très rare, ton mari, même quand il voit ta nudité dans la chambre, il est content. Il est excité comme ça. On dirait une femme qui ne connaît pas. On dirait une femme qui vient de connaître. C'est ça parce qu'il ne voit pas trop ta nudité. Donc, c'est très important. Donc, je dis dans la chambre, toi, une femme, ne prends pas des morceaux de pain pour attacher sur ta poitrine pour aller te coucher. Non, fais très attention. Parce que je préfère même encore que toi, une femme, quand tu vas te coucher auprès de ton mari, je préfère même encore que tu restes nue. Voilà, ça, je préfère. Que tu restes nue. Hé, hey, Vance, tu cherches quoi? Il n'y a pas de chargeur là. Va dans ta chambre, ferme le couloir. Tu peux m'acheter ce chargeur? Ok, quand je finis, rentre. Ferme le couloir. En plus, c'est là. Ok, rentre dans le couloir s'il te plaît. Va dans ta chambre. Tu fermes le couloir, d'accord? Mm-hmm. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, ça c'est des sujets, on ne parle pas devant les enfants. Donc, il faut qu'elle va dans ta chambre.
Oui. Moi, je dis le parfum, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme même, il ne faut pas te dire qu'à la maison, tu ne dois pas sentir bon et tout. Non, fais très attention. Et puis, dans la chambre, je préfère encore que toi, une femme, tu dormes nue. Je préfère que tu dormes nue plutôt que d'attacher un morceau de pagne sur ta poitrine. Et puis, tu vas te coucher. Toi, une femme même, tu es dans ton foyer, tu veux séduire ton mari. Tu attaches un morceau de pagne sur ta poitrine comme ça. C'est quoi ça? Parce que faites attention. Moi, je dis les morceaux de pagne que vous attachez, surtout quand vous attachez les morceaux de pagne, vous serrez tellement que ça joue sur la poitrine. Ça fait que la poitrine ici, là, ça devient... Voilà, il y a un trait qui se met ici à force d'attacher le morceau de pagne. Et ça fait que tes seins... Voilà, tes seins prennent un coup. Non, fais très attention. Toi, une femme, si tu veux aller te coucher, mais mets-toi nu alors si tu veux. Tu es couché nu, encore c'est mieux. Plutôt que d'attacher un morceau de pain, c'est très dangereux. Et puis vos morceaux de pain, vous attachez là, faites très attention. Faites très attention. C'est-à-dire que tes morceaux de pain, tes uniformes là, que tu fais à ton église, tes uniformes de baptême là, quand tu finis de faire ça là, il faut plier puis mettre dans ton placard. Comme ça, la prochaine fois, s'il y a un autre événement là, tu vas mettre tes mêmes uniformes là. Mais ton mari n'a pas besoin de voir tes uniformes là. Tes uniformes de Pâques, de l'église là. Non, non, non. En fait, ça séduit pas. Ça même, ça fait que l'homme même, son bangala tombe tout de suite quoi. C'est-à-dire, il n'a pas envie. Parce qu'un homme même qui te voit dans les pagnes de publicité, dans les pagnes religieux, mais il n'y a rien même d'attirant. Faites très attention, mes chéris. Faites très attention. Tout ça, ça compte. C'est très important, ça compte. Et puis moi, je dis toujours, je dis, vous savez, le toucher, c'est important. Le toucher, c'est très important parce que toi, une femme même, on est toutes des mères, on est toutes des mères, on a des responsabilités. C'est vrai qu'on a nos mains qui sont toujours dans l'eau. Et donc, toi, une femme même, quand tu as ta main toujours dans l'eau, ça fait qu'arriver à un certain moment, ta main devient un peu dure. Ça fait qu'arriver à un certain moment, ta tête, tu as des doigts un peu sèches, tu as ta paume qui est un peu sèche. Donc, toi, une femme, tu dois savoir que de la manière tu prends soin de ton corps, de la manière tu mets des crèmes pour avoir un beau teint, pour avoir une belle peau, tu dois savoir que tes doigts aussi doivent avoir une pommade. Parce que ne pense pas que c'est la pommade que tu mets sur ton corps, là, que tu dois mettre sur tes doigts, tu dois mettre dans ta paume. Non. Il y a des crèmes pour la paume, il y a des crèmes pour les doigts. Voilà, donc toi, une femme même, tu dois avoir ta crème que tu as partout. C'est-à-dire que tu as une crème dans la salle de, dans la salle de bain, tu as une crème dans ta cuisine, tu as une voiture, tu as une crème dans ta voiture ou tu mets une crème dans ton sac à main. Et ça fait que de façon très régulière, tu prends ta crème comme ça, tu mets dans ta main, tu mets dans ta paume. Voilà, tu fais ça. C'est important, mes chéris, mes femmes sûres. Voilà, c'est-à-dire tu fais ça, tu as ta crème comme ça, qu'à chaque fois, tu mets dans ta main, tu mets dans ta paume, tu mets sur tes doigts. Donc, ça fait que ta paume est molle. Ça fait que c'est vrai, ta main est toujours dans l'eau, tes mains sont toujours dans l'eau, tu travailles beaucoup, mais tu as la paume molle. Donc, ça veut dire que quand tu touches ton mari, lui-même, c'est agréable. C'est-à-dire que le toucher est agréable. Mais quand toi, une femme, tu ne prends pas soin de ta paume, c'est-à-dire que tu ne mets pas des crèmes pour entretenir ta paume, pour entretenir tes doigts et tout, ça fait que quand tu touches ton mari, il a l'impression que c'est un homme qui est en train de le toucher. C'est-à-dire que quand tu le touches, ce n'est pas agréable. Ça fait les grrrr, ce n'est pas bon. Donc, toi, une femme, même, tu dois avoir des crèmes comme ça pour la paume, pour tes doigts. Voilà, quelle que soit la pommade que tu mets, même si tu as envie de t'éclaircir, ça n'a rien à voir avec la crème de la main. Ça n'a rien à voir avec la crème pour la paume. Voilà, j'ai dit, quelle que soit ta pommade que tu utilises, mais il faut que tu aies toujours tes crèmes de main. Voilà, pour que ta paume reste propre, bien molle, parce que tu as besoin de caresser ton mari. Quand tu caresses ton mari, là, le but, c'est qu'il soit excité. Le but, c'est qu'il soit bien. Mais ce n'est pas pour l'énerver. Parce que toi, une femme, même quand tu as une paume dure, on dirait pour un homme. Quand tu as des doigts très sèches, on dirait très secs, on dirait un homme. Quand tu touches ton mari n'a même plus envie que tu continues les caresses. Alors que les caresses, c'est important. Alors que les massages, c'est important. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu masses ton mari, quand vous êtes dans le lit comme ça, et puis tu le masses de temps en temps, tu prends ton huile prodigieuse que tu mets sur toi-même ton corps, et tu prends ton huile coquin que tu prends comme ça pour masser ton mari, quand tu es en train de masser ton mari même, il sent la sensualité. Il sent que dans tes doigts, tu es une femme. Il sent la douceur dans tes doigts. Et puis, c'est plus excitant. C'est très important. Vous comprenez? Et puis... les pieds aussi, c'est très important. Enfin, les jambes, il faut les épiler. Ça, moi, je sais que toutes les femmes s'épilent. Hein. Je sais que toutes les femmes épilent leurs jambes et tout. Parce que toi, une femme même, tu dois savoir que s'il y a des poils sur tes pieds et tes jambes, c'est pas chic. C'est-à-dire, c'est pas séduisant. Voilà, parce que quand tu vas porter un habit un peu court ou un habit un peu qui voit, qui montre un peu tes jambes, il faut que tes jambes soient waouh. Alors, pour que tes jambes soient waouh, il faut pas qu'il y ait des poils dessus. C'est très important parce qu'il y a les poils dessus, c'est pas chic, c'est pas attirant. Et puis, les pieds d'une femme,
Voilà, la plante des pieds d'une femme, c'est très important que ça reste agréable. Tout ça, ça fait partie de la séduction. La séduction, c'est l'apparence d'abord. Ça fait partie de la séduction. Donc, toi, une femme même, quand tu sais que tes pieds sont devenus durs, c'est des choses qui arrivent, ça arrive. Parce que les pieds, dès que tu commences à entretenir, quand tu n'entretiens pas, la peau repousse. Et ça devient dur, c'est comme ça. Donc, toi, une femme même, tu dois savoir qu'il y a des crèmes pour les pieds. Voilà, c'est-à-dire que tu as ta crème pour les pieds à la maison. Tu prends tous les soirs avant de te coucher, tu prends la crème, tu mets dans ta main, dans ta paume, et puis tu passes ça sur tes pieds, la plante de tes pieds, sur tes pieds partout. Tu vas te coucher, ça fait que ça ramollit tes pieds. Tes pieds sont bien molles, bien clairs, bien propres. Voilà, tu n'as pas besoin d'aller prendre toujours des trucs pour gratter, non. Simplement une crème même là que tu appliques tous les jours au coucher, ça fait que la plante de tes pieds là, ça devient bien mou, ça devient bien propre, chic. Ça fait que quand tu es couché avec ton mari, parce que ton mari, quand tu es couché avec lui, vous avez les pieds qui se frottent comme ça, c'est important. Toi, une femme même, quand ton mari, il frotte ses pieds comme ça, et puis il sent même que c'est mou, c'est propre, c'est chic. Mais en fait, tout ça, c'est excitant. Mais toi, une femme même, quand tu prends pas soin de tes pieds, que ton mari même vous êtes dans le lit, quand il veut prendre son pied même pour emmener vers ton pied comme ça là même, ça fait peur. Ça fait peur. Toi, la femme même, tu es couché dans ton lit, même quand tu veux même tourner un peu ton pied, quand ça touche le drap, ça fait crrrr. Ça fait crrrr. On dirait grillage. Parce que c'est-à-dire que tes pieds là, il y a tellement de peau, c'est tellement déchiqueté que le drap là, ça fend le doigt, le drap. Ça fait crrrr, crrrr, crrrr. Toi-même, ça te fait mal parce que ta peau même, c'est dit, ta peau même rentre même dans le drap. C'est pas bon. C'est-à-dire que toi, une femme, faut pas penser que tout ça, en fait, c'est des détails. C'est pas des détails. On parle de séduction. Tu dois séduire ton mari. Donc, l'apparence compte. Il n'y a pas de détails. C'est très important. Vous comprenez? Oui, c'est très important. Et puis, vous savez, les hommes, ils aiment les surprises. Les hommes, ils aiment les surprises. C'est très important. Un homme, quand tu le surprends, tout ça, ça fait partie de la séduction. C'est-à-dire, quand tu dis à ton mari, par exemple, bébé, ce week-end-là, on va aller un peu au restaurant. Bébé, ce week-end, j'ai tout prévu. On va aller à l'hôtel. On va dormir à l'hôtel. On ne dort pas à la maison cette fois-ci. T'inquiète pas. J'ai pris quelqu'un pour s'occuper des enfants. On va déposer les enfants chez les parents ou chez des amis. On va aller à l'hôtel ce week-end et tout. En fait, tout ça, c'est des surprises. Les hommes, ils aiment ça. Voilà, ils aiment ça. Le fait même de savoir que sa femme a préparé des choses, a organisé comme ça un week-end, ils vont sortir un peu. L'homme même, en fait, ça l'excite déjà. Le fait même de penser même à sortir, aller dormir à l'hôtel, il s'est dit, vous allez sortir même de votre réalité, vous allez être des fous, vous allez vous comporter comme des deux personnes qui ne sont pas mariées. Donc, ton mari, même, il est déjà excité. C'est-à-dire que la semaine même, il va au travail, il est content. Il est content. Voilà, c'est-à-dire que ton mari, même quand il va au travail, il est content parce qu'il est pressé même que le week-end arrive. Puisqu'il sait que le week-end, tu lui as prévu une surprise, tu as préparé quelque chose, il ne s'y attendait pas. Donc, c'est-à-dire quand tu lui apprends ça comme ça le jeudi, ou bien le mercredi, ou bien le vendredi, le mec, en fait, il est très content parce qu'il sait que son week-end sera waouh. Son week-end sera très waouh, c'est très important. Vous comprenez? Ton mari à la maison, de temps en temps comme ça, tu prépares sa nourriture préférée, oui, c'est important. Voilà, de préparer sa nourriture préférée. Quand il sait même que tu as préparé sa nourriture préférée et il sait que tu l'as fait avec amour, tout ça en fait, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu veux préparer la nourriture, par exemple, préférée de ton mari, tu n'as pas besoin de lui demander, bébé, on mange quoi ce soir, bébé, et si je préparais ta nourriture préférée? Non, ça, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'une surprise, ce n'est pas lui dire. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas ce qu'il va manger. Et puis quand il quitte au travail, il rentre le soir, c'est sa nourriture préférée que tu as préparée. Voilà, il est content comme ça. Voilà, tu lui as fait une surprise. Il est très content, il mange bien, il est heureux. Et puis quand il est en train de manger comme ça, tu viens t'asseoir auprès de lui et puis tu lui demandes comme ça, bébé, et ta journée, comment ça a été au travail? Mais quand tu es en train de lui poser la question, lui-même il te regarde, tu es agréable, tu es belle, tu es chic. Il se dit, waouh, ma femme, franchement, elle me fait de belles surprises, quoi. C'est important. Et puis vous savez, moi c'est ce que je dis toujours, je dis, toi une femme même, quand ton mari comme ça, il a pour habitude de te faire des cadeaux. Faut pas te dire, toi la femme, que les cadeaux, il n'y a que les hommes qui offrent. Non, toi une femme aussi, il faut que tu saches que de la manière ton mari t'offre des cadeaux, et puis tu es contente là, c'est de la même manière que si tu lui offres des cadeaux, il sera content. En fait, les cadeaux là, les surprises là, ça fait plaisir à tout homme.
Ça fait plaisir aux femmes et ça fait plaisir aux hommes. Donc, n'attends pas à chaque fois que ce soit ton mari qui t'offre seulement des cadeaux. Toi aussi, tu peux lui offrir des cadeaux. Tu peux lui faire des surprises. C'est important, ma chérie. Si tu n'as pas les moyens, l'argent que lui-même prend pour te donner là, tu peux prendre un peu, mettre sur le côté et puis lui faire une surprise. Ça donne envie. En fait, il faut donner envie à ton homme de te gâter. C'est ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se disent, oui, moi, je veux que mon mari m'offre seulement des cadeaux. Moi, je suis une femme, c'est moi. Mais vous savez, c'est-à-dire que le secret même pour que ton mari même là, il te donne des choses même, sans même regarder, sans même réfléchir. C'est-à-dire que le secret pour que ton mari même t'achète des choses de valeur, sans même s'occuper, même se préoccuper de la somme, du montant là. C'est quand toi-même tu le blagues, c'est-à-dire que quand toi-même tu lui offres là. Parce qu'un homme même quand tu lui offres œuf là, lui il a envie de t'offrir carrément la poule. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu lui offres un œuf là, lui, il a envie de t'offrir la poule pour que tu puisses lui offrir des œufs à chaque fois. Je veux dire, l'homme, il faut le pousser à te donner. Il faut le pousser à te faire plaisir. Tout ça, c'est très important. Ça fait partie de la séduction. C'est aussi important, la séduction. Vous avez compris, mes amours? Et puis moi, je dis toujours, hein, voilà, c'est-à-dire que toi, une femme, même pour séduire ton mari, il faut que tu saches que tu as ton univers à toi, tu as ton monde à toi. Voilà, c'est-à-dire que quand toi, une femme, même, tu penses que tout ce que tu dois faire à la maison, tu dois le faire avec ton mari. Quand toi, une femme, même, tu penses que quand ton mari sort, à chaque fois qu'il va quelque part, il doit partir avec toi. Toi, la femme, en fait, tu n'es pas dans la séduction. Tu es plutôt dans la dépendance. Donc, fais très attention. Ton mari, il faut lui laisser son espace. C'est-à-dire que ton mari, parfois, quand il a envie de sortir, il faut le laisser sortir. Parfois, toi aussi, il faut sortir un peu. C'est-à-dire, je veux dire, toi aussi, tu peux avoir des loisirs sans ton mari. C'est-à-dire que tu peux aller au cinéma sans ton mari. Tu peux sortir un peu sans ton mari. Tu peux aller un peu te faire plaisir dehors sans ton mari. Et quand vous rentrez à la maison comme ça, vous avez des sujets de conversation. C'est-à-dire que tu as des choses à lui raconter. Et lui aussi, il a les choses à te raconter. Mais toi, une femme, quand tu es trop dans la vie de ton mari, quand tu penses que ton mari et toi, tout ce qu'il fait, vous devez faire ensemble. Tout ce que toi, tu dois faire, vous devez faire ensemble. Arrivé à un certain moment, tu étouffes. Tu étouffes ton mari. C'est-à-dire, tu es de trop. Tu ne lui laisses pas son espace. Tu es trop dans sa vie. Même si tu es sa femme, même si tu es son épouse. Mais en fait, le fait de te comporter comme ça, c'est une façon de lui montrer que tu es trop acquise. C'est une façon de lui montrer que tu es trop à lui. Les hommes, ils n'aiment pas. Même quand ils vous mettent une bague au doigt, ils n'aiment pas avoir l'impression que vous leur appartenez à 100%. L'homme, il aime quand il se dit, ah, ma femme là, elle m'appartient à 60%, il reste du 40% là. L'homme, c'est ça, c'est ce qui le pousse même à plus t'aimer, à être plus accro à toi. Vous avez compris? Donc, toi, une femme, tu as besoin de faire aussi tes choses sans ton mari. Et puis, arrêtez de tout raconter à votre mari. C'est pas parce qu'on dit c'est ton mari que tu dois tout raconter à ton mari. Tu as aussi ton jardin secret. Voilà. Une femme, elle a son jardin secret. C'est-à-dire que toi, une femme là, il y a aussi des petits trucs que toi-même, tu dois garder pour toi. Il y a aussi des petits secrets que tu dois garder pour toi. Ton mari n'est pas obligé de tout savoir. Tu n'es pas obligé de tout dire à ton mari. C'est-à-dire que quand tu dis tout à ton mari, quand tu racontes tout à ton mari, arrivé à un certain moment, il n'y a plus de mystère autour de toi. Voilà, tu n'es plus mystérieuse. Ton mari, il sait tout. Il te connaît trop, il sait tout. Puis tu parles trop, tu lui dis trop. Même des choses qui ne sont pas importantes, tu lui dis non. Parce que l'homme, quand il a l'impression qu'il t'a tamponné, c'est fini. Tu n'es plus un mystère. Il commence à devenir fainéant. Il commence à un peu te négliger. Donc ton homme, tu ne dois pas trop lui dire des choses. Tu ne dois pas tout lui dire. Tu as aussi ton petit secret personnel. Ça, c'est la femme. La femme, elle doit avoir son petit jardin secret. C'est très important. Et puis vous savez, dans l'intimité, moi je dis toujours, dans l'intimité, c'est très important, toi une femme, de savoir que dans ton intimité, il faut que ce soit très agréable. La dernière fois, j'ai fait un direct où je vous ai présenté, un parfum, voilà, de chambre, voilà, parce qu'il y a des parfums comme ça de chambre qu'on appelle les parfums érotiques. C'est-à-dire que toi une femme, même quand tu es en chambre comme ça, que tu mets dans tes draps, voilà, c'est des parfums, c'est fait pour ça. C'est fait pour l'intimité. Donc, quand tu prends comme ça, tu mets dans tes draps et tout, ton mari, même quand il rentre dans la chambre, c'est-à-dire l'odeur même qu'il sent là, tout de suite, il a des envies. Tout de suite, il se sent bien parce que ça, la chambre sent, ça sent le mougli. Oui, c'est important. Ça sent le mougli parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es dans ta chambre, que ça ne sent pas le mougli, mais ton mari même là-même, ça dit qu'il peut, te mougou, vite fait, parce que c'est un homme. Alors que l'homme, ça dit que l'homme même quand il rentre comme ça dans son espace privé, que toi une femme même, tu as envie de rendre ton mari dingue,
Quand il rentre dans la chambre, là, il y a une odeur même dans les draps. Il y a une odeur même dans la chambre. Là. Lui-même, quand il est dedans comme ça, là, il a tout de suite, il y a des sensations qui naissent en lui. Il a envie de te tuer, il a envie de te framponner. Voilà, c'est-à-dire l'instinct animal remonte en lui. Parce qu'il sent une odeur, mais tellement agréable. Donc, c'est ça. J'ai déjà dit aux femmes, j'ai dit, toi, une femme, tu dois avoir ton parfum de chambre. Ton parfum de mouli. Toi, une femme, tu dois avoir ça. C'est très important. Vous comprenez? Et puis, toi, une femme même, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que toi, une femme même, tu dois savoir que ton intimité, c'est tout ce que tu as de plus beau. Parce que quand tu es marié, tu as un enfant, deux, trois enfants, c'est vrai qu'arrivé un certain moment, ta foufoune prend un coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ta foufoune prend un coup. C'est-à-dire qu'arrivé un certain moment, ta foufoune commence à devenir un peu trop large. Ça devient un peu trop large. Ou bien ta foufoune, il y a trop d'eau dedans. C'est-à-dire que quand tu es en train de mougou avec ton mari, par exemple, toi-même, la femme, quand tu es en train de mougou avec ton mari, tu sens que ton mari, il ne prend pas de plaisir. Voilà, tu sens. Parce qu'un homme, même quand il est en train de mougou avec toi, et puis il est en train de prendre du plaisir, là, toi, la femme, là, tu sens. Tu sens. Quand ton mari est en train de te mouguer, puis c'est doux, là, tu sens. Ça, là, seulement, là, on ne peut pas. C'est-à-dire que garçon, même s'il n'exprime pas ce qu'il ressent, ce qu'il est en train de vivre, mais c'est-à-dire dans l'expression même de son visage, toi, la femme, tu sens que ton mari est en train de prendre du plaisir. Tu sens que le monsieur est en train de jouir. Il n'est pas en train d'éjaculer. Parce que la dernière fois, je vous ai expliqué, je dis entre jouir et éjaculer, ça fait deux. C'est pas pareil. Ton mari, quand il jouit, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça lui procure du plaisir. Ton mari est en train de jouir. Ça veut dire que pendant le mougouli, ton mari peut jouir plusieurs fois. Voilà. Mais ton mari éjacule. Éjaculer, ça ne veut pas dire qu'il a pris du plaisir. Ça veut dire que ton mari, c'est un être humain, c'est un homme. Obligé, quand il rentre, le robinet doit couler après. Mais quand le robinet coule là, ça ne veut pas dire forcément que le robinet a coulé parce que c'est doux. Non. Ça veut dire simplement qu'il est rentré, il a mougou, il faut que le robinet coule. En tant que ton mari prend du plaisir, ça veut dire qu'il n'a même pas encore, le robinet n'est même pas encore sorti, l'eau n'est pas encore sortie du robinet. Mais ça veut dire quand toi-même tu vois l'expression de son visage, tu vois même comment ton mari est en train de faire, tu vois comment il serre ses dents, toi la femme, tu sens qu'il est en train de prendre quelque chose. Donc tout ça, c'est l'entretien. Tout ça, c'est l'entretien. Et moi, je dis toujours, toi, une femme, il faut que tu saches que tu dois avoir des ovules. C'est-à-dire que des ovules que tu prends... Attendez, je vais vous montrer, mes chéris. Oui, quand on parle de séduction, là, on parle pas de, on parle plus de comportement, quoi. Là, on parle de l'apparence et puis on parle de comment ça se passe dans l'intimité. C'est très important. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ce qui fait que l'homme, il devient fou, hein. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas t'ouvrir? Excusez-moi, je vais ouvrir mes amours, quittez pas. Oui, c'est important. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu dois savoir que tu dois prendre soin de ta foufoune parce que c'est ta foufoune qui va faire que ton mari va devenir fou. Ton mari, quand il est en train de te mouguer, puis ses dents se collent, puis ses dents se graissent comme ça. C'est ça, c'est important. Un homme comme ça, quand tu fais ça, là, ma chérie, il est heureux. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, tu dois avoir des ovules. Tu dois prendre des ovules que tu vas utiliser. Et les ovules, là, qu'est-ce que ça va te faire? Les ovules, ça va t'enlever beaucoup d'eau. C'est-à-dire que ce qui fait que parfois, quand tu es en train de mouguer ton mari, ça fait... Voilà, tu es gêné. Parce que le bruit que ça fait là, toi-même, tu es gêné. Voilà, c'est pas bon. Et puis, un homme, même quand il est en train de te mouguer, et puis ça fait comme ça, là. Dans sa tête, déjà, il est cassé. Dans sa tête, là, il est cassé. Il s'est dit, mais dans sa tête, là-bas, il s'est dit, mais ma femme aussi, elle prend pas soin d'elle. Même si tu as 2, 3, 4, 5 enfants, ce n'est pas normal que tu sois en train de mouguer et puis ta foufoune fait comme ça. Non. Donc, tu prends tes ovules. Tes ovules, c'est ce que tu vas mettre dans ta foufoune. Et c'est ce qui va rester dans ta foufoune là-bas pendant 3 jours. C'est-à-dire que tu vas faire une cure. Et quand tu finis là, ça fait que ton vadebel là, c'est-à-dire que ta foufoune là, ça se resserre comme ça, ça devient petit. Ça t'enlève l'eau, beaucoup d'eau que tu as là-bas là, ça t'enlève les odeurs. C'est important parce que toi, une femme, même quand tu es en train de mouguer ton mari, tu finis de mouguer ton mari et puis la chambre sent. La chambre sent. Toi-même, tu as couché, tu sens odeur. C'est pas bon. Ton mari, dès qu'il se lève, il rentre dans la douche, en même temps, il va se nettoyer. Ou bien il va nettoyer, il se lave les mains, tout. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de mouguer toi, il y a des odeurs qu'il n'a pas supportées. Toi-même, la femme, tu sens odeur là. C'est pas bon. Vous comprenez tout ça, même si tu es l'épouse, même si tu es sa femme, mais c'est pas bon. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Et les hommes là, ils pensent pas comme nous. Les hommes, ils réfléchissent pas comme nous. Ça veut dire que les hommes, ils ne se disent pas que c'est ma femme. Même si aujourd'hui, ça sent, c'est pas grave, c'est ma femme. Quand je l'ai connue, ça ne sentait pas.
Donc aujourd'hui là, elle a fait des enfants, ça sent, ou bien c'est trop large, c'est pas grave, je comprends. Les hommes, ils voient pas la vie comme ça. Ils voient pas les choses comme ça. C'est-à-dire que si tu veux là, au début quand il t'a connu là, tu avais petit foufoune, ça sentait pas. Mais si maintenant ça sent là, il va oublier ton début. Hein. C'est maintenant que ça sent là. C'est ce qui va rester dans sa tête. Et c'est ce qui fait que tu ne l'attires plus. Il n'a plus envie de te mougou parce que ta foufoune n'est pas agréable. Donc mes chéris, prenez vos ovules, faites votre cure pour que la foufoune serre, pour que l'eau quitte là-bas, pour que ça sente bon. C'est très important. Toi une femme même, la dernière fois je vous ai dit que toi une femme tu dois avoir ta bassine. Toi une femme tu dois avoir ta bassine. Voilà ça. Voilà bassine là. C'est-à-dire que vous voyez, je vais vous montrer mes chéris. C'est important parce qu'il faut séduire son homme. J'ai envie que vos hommes soient dingues de vous. C'est-à-dire que toi, une femme même, voici la bassine. Il y a deux espaces. Il y a là et puis il y a là. Devant là, c'est pour la foufoune. Ici là, c'est pour l'anal. C'est-à-dire que toi, une femme, si on te mougou par derrière, c'est ici là. Tu prends ça là, tu mets derrière ici. Et puis tu t'assois dessus. Quand tu t'assois dessus, tu mets de l'eau. Quand tu mets de l'eau, tu ne remplis pas. L'eau là, tu mets ça à moitié comme ça. Et puis tu prends tes zèbres. Tu prends tes zèbres là, tu prends, et puis tu mets dans l'eau chaude là. Tu mets dans l'eau chaude, tu t'assois dessus, tu déposes ça là sur le WC, la cuvette du WC. Tu t'assois dessus, et puis tu fais ça. Vous voyez, tu appuies, quand tu appuies comme ça là, ça fait que les jets d'eau là, ça rentre dans ton ventre comme ça. Et puis la vapeur rentre, et puis les feuilles là, l'odeur des feuilles là, ça rentre en toi comme ça. Donc ça fait que si tu as l'habitude de faire là, ton là-bas là, ça sent les feuilles. Ça sent bon comme ça, ça purifie. Donc ton labeur est toujours doux. Ça fait que ton mari, même quand il finit de te mougou là, c'est-à-dire qu'il se couche même. Souvent même il se couche, mais il ne prend même pas quelque chose pour s'essuyer. Tellement que c'est propre. Tellement que ça sent bon. Tellement que c'est pur. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, même quand tu te purifies comme ça, quand tu te purifies comme ça de façon régulière, arrivé à un certain moment, l'odeur même la même monte dans ta bouche. L'odeur même monte dans ta bouche. C'est-à-dire que toi-même, ta respiration sent les feuilles. Ta respiration sent le feu. Parce que quand tu es en train de mougouer ton mari, tu respires. C'est-à-dire que quand vous êtes face à face comme ça, tu respires. Quand tu respires, là, ton nez, là, ce qui sort de ton nez, là, la respiration qui sort de ton nez, là, ça doit être agréable. Ton mari, mais il doit sentir, c'est-à-dire il a envie de te manger. C'est important. C'est très important. Vous comprenez? Donc, il faut que vous ayez votre bassine pour faire votre bain, pour vous purifier. Parce que nous, nous sommes des femmes, on tombe enceinte. On grossit, on a nos règles, on a nos menstrues et tout. Le corps change à chaque fois. Le corps joue à yo-yo, au yo-yo à chaque fois. Donc toi, une femme, c'est quand tu fais ça là, après les accouchements, quand tu te purifies comme ça là, c'est-à-dire que les plaies de ventre, c'est-à-dire tu as accouché, ton ventre n'est pas bien guéri, ou bien tu as des petites douleurs là-bas, ou tu te sens un peu ballonné. Quand tu toi-même, tu fais ton bain vaginal là, ça fait que ton ventre là, tu sens... Tu es à l'aise, ton ventre là devient bien, ça devient, tout sort, tout descend, tout, voilà, tu purifies même ton corps. C'est très important. Toi, une femme même ne te dit pas que oui, moi je fais ma toilette qu'avec de l'eau. Non, ma chérie. Non, ma chérie. C'est ce que les docteurs te disent, de faire ta toilette avec de l'eau, ma chérie. Mais quand tu es dans ton intimité, Dieu seul sait comment ton mari est mal à l'aise. Dieu seul sait. Parce que les gynécologues, quand tu vas voir les gynécologues, que tu leur dis, écoutez, je sens une odeur, mon mari me dit qu'il y a une odeur et tout. Le gynécologue, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est rien. C'est rien, c'est une odeur naturelle. Hein? Moi, je ne sais pas. Il n'y a rien de grave. Les gynécologues, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas même plus, tu leur dis que je sens odeur. Et ils vont toujours te dire que c'est normal. Ils vont toujours te dire que c'est normal, c'est rien. Entends dans ton intimité, là, ton mari ne te touche plus. La paille là-bas, là, ça sent. Ton mari, quand il entend un mougou et toi, là, il fait vite pour sortir. Mais le gynécologue va te dire, c'est rien. Pourquoi c'est rien? Est-ce que c'est que le gynécologue dit, et puis toi-même, ta réalité, là, ça fait pareil. C'est toi, ton mariage. C'est toi, tu ne séduis plus ton mari. C'est toi, ton mari, à quoi ça, il ne va plus te toucher. C'est toi qui vis ta réalité. Donc, arrêtez d'écouter les trucs qu'on dit. Ça, on appelle ça la théorie. On appelle ça la théorie. Voilà. Là, on est dans la pratique. Parce que quand tu es dans la pratique, tu es dans ton foyer, tu sais ce que ça fait. Quand tu es en train de mougouer ton mari, et puis ton mari, tu sens qu'il y a des odeurs qui le dérangent. C'est important. Donc, toi, une femme, tu dois avoir ton gel intime. Tu dois avoir ton gel intime que tu prends comme ça, tu fais ta toilette avec tous les jours. C'est une mousse, c'est à base de l'aloe vera. Donc, quand tu fais ta toilette, ça fait que ça t'évite les petites infections, les petites démangeaisons. Ça fait que ton labeur est propre, c'est frais. Quand tu enlèves ta culotte, c'est pas mouillé. Parce qu'il y a des femmes, quand elles enlèvent leur culotte, c'est mouillé. C'est pas pipi, c'est la transpiration. Et puis, c'est l'eau qui sort de là-bas. C'est pas normal. Toi, une femme, même quand ta culotte est toujours mouillée, ça fait que ton labeur sent.
Voilà, parce que c'est l'eau de là-bas, là, ça fait que ça sent. Donc, quand tu prends comme ça ton gel intime à base de l'aloe vera, tu fais ta toilette tous les jours, mais ton là-bas est frais. Tu portes ta culotte, tu enlèves ta culotte, c'est sec. C'est sec, c'est important. C'est très important. Toi, une femme même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, toi, une femme, tu ne dois pas t'asseoir là pour dire que oui. Toi, une femme qui est mariée, tu ne peux pas t'asseoir là pour dire oui, je suis devenue frigide, je n'ai plus envie. C'est très grave. C'est vrai, tu es devenue frigide, tu n'as plus envie, mais ma chérie, ton mari, il fait comment? Ton mari, il fait comment? Il vit comment? Il a dit non. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, même si tu es aujourd'hui, c'est vrai, peut-être il y a le stress, il y a peut-être les accouchements, parce qu'il y a des femmes, quand elles finissent d'accoucher, elles n'ont plus envie. Voilà, c'est-à-dire que l'envie ne revient plus. Mais toi, une femme, même quand tu ne ressens plus d'envie, toi, une femme, même quand tu te sens frigide, et tu sais que tu as un mari, tu dois le satisfaire, c'est ton devoir, c'est tout à fait normal, mais il faut que tu saches que la femme aussi, elle a son aphrodisiaque. Il y a l'aphrodisiaque des femmes. Aphrodisiaque, là, c'est pas que pour les hommes, hein. Il y a pour les femmes. Oui. Il y a pour les femmes, c'est important. Donc, ça veut dire que toi-même, une femme, il faut que tu saches qu'il y a ce qu'on appelle le liquide. C'est un liquide qu'on met sur le clic-clic. C'est ce qui donne des sensations. Donc, ça veut dire qu'avant même le mougouli, tu prends ça, tu mets sur ton clic-clic. Tu prends ça comme ça, tu fais deux sprays, tu mets sur ton clic-clic. Voilà, quand tu mets sur ton clic-clic, tu mélanges un peu, tu tournes un peu comme ça. Toi-même, tu vois, ton clic-clic commence à vibrer. Oui, il ne faut pas tomber mon truc, pardon. Je suis trop inspiré dans mon direct. Oui, c'est-à-dire que quand tu mets sur ton clic-clic, tu sens que le clic-clic commence à battre comme ça. Le clic-clic commence à battre comme ça. Il fait comme ça, fou, 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 fou. Hein, ton vadegbe, là, ça commence à faire fou, fou, fou. Ben, ça commence à agir en même temps. Oui, et puis toi, une femme, même, tu dois savoir qu'il y a des gélules qu'on prend. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu n'as plus d'envie, il y a des gélules que tu prends. C'est très important. Il y a des gélules que tu prends pour que l'envie revienne. Parce que tu n'as pas 90 ans. Et ce n'est pas normal que tu n'aies plus envie. Donc, il y a des gélules que tu vas prendre. Voilà. C'est des gélules que tu prends matin et soir. Et à force de prendre, c'est un traitement. Ça fait que l'envie revient. Tu redeviens une femme. C'est-à-dire que tes sensations reviennent. Bien. Tu te sens bien. Tu as des envies. C'est important. Comme ça, ton mari, il sera toujours tamponné dans son foyer. Parce qu'un homme même, à chaque fois il a envie de toi, tu dis non. À chaque fois il a envie de toi, tu dis non. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, tu dis tu n'as pas envie, c'est pas bon. Toi, une femme, même quand tu es en train de mougouer à ton mari doit sentir que tu ressens du plaisir. Ton mari doit sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça fait que ça se colle, ça fait que le goût devient intense. Mais quand toi, une femme, même tu n'as plus envie, quand ton mari même te touche, ton mari ne ressent rien parce qu'il n'y a pas de partage. C'est pas un partage, c'est lui seul qui est en train de prendre du plaisir. Mais toi, tu ne prends pas. Mais un homme, même quand il sent que tu ne prends pas du plaisir, c'est pas excitant. Vous avez compris? Venez prendre votre traitement. Venez prendre votre traitement. Il y a aussi le sirop. Oh. Attendez, je vous montre tous mes amours. Il y a aussi le sirop. Le sirop, c'est quoi? Le sirop, c'est l'aphrodisiaque. En fait, ça, tu prends comme ça, tu mets ici, tu mets un peu de jus ou bien un peu d'eau. Tu bois une heure avant le faramponnement. C'est-à-dire qu'une heure avant de faramponner, là, ça là, tu prends un peu et puis tu mets un peu de jus, un peu d'eau, tu bois. Mais c'est-à-dire qu'après là, tu as des envies. Après là, tu es excité comme ça. Ton clic-clic devient pointu comme ça. Ton clic-clic devient dur. Le bout de tes seins là commence à se dresser comme ça. Tu as des envies. Tu as chaud comme ça. Il y a une chaleur qui monte en toi. C'est l'effet de ça là. C'est important, mes chéris. C'est très important. Il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Tout ça, c'est des produits naturels. Vous comprenez? C'est des produits naturels. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois. Je dis, vous savez, la féminité même chez la femme, c'est quoi? La féminité chez la femme, c'est sa poitrine, c'est ses cheveux, c'est ses yeux, c'est ses lèvres. C'est important. C'est-à-dire que toi, une femme, même sur ton corps, même si tu n'as pas tous ces atouts-là, tu dois avoir un au moins pour jouer de ça dans ton intimité, pour séduire ton mari dans son intimité. Oui, il faut que vous compreniez que... Attendez, je vais vous montrer, mes amours. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous avez quoi à tomber comme ça, là-même? Oh, moi, c'est tout quand il n'aime pas. Il n'est pas saisi, tu tombes. Oui, parce que vous savez, les femmes, les hommes, c'est-à-dire que ton homme, même quand il est avec toi comme ça dans ton intimité, ton homme, il faut que tu saches qu'il regarde tes lèvres. Il regarde tes lèvres parce que les lèvres, il y a des femmes qui sont nées avec des lèvres pulpeuses naturellement. Mais toi-même, tu sais que toi, une femme, tu peux entretenir tes lèvres, ça va devenir un peu pulpeux. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que tes lèvres, le contour, là, ça devient un peu doudoudou. Tout ça, là, c'est des entretiens. Il y a des crèmes comme ça, des petites crèmes comme ça, c'est pour les lèvres. Voilà, c'est-à-dire que matin, deux fois par jour, quand tu finis de te laver, là, tu prends ça comme ça, tu mets sur tes lèvres le contour, là. Tu mets comme ça le contour. Voilà, ça fait qu'au fur et à mesure, là, tes lèvres là, ressortent comme ça.
C'est-à-dire que ça ressort, ça devient bien joli comme ça. Tes lèvres sont pouées. Ton mari, même quand il regarde, il a envie de manger sa pète. Tu prends soin de tes lèvres. Tout ça, là, c'est important. Il faut prendre soin de son corps. Tout ce qu'on a sur notre corps, il y a des choses pour entretenir. C'est ça, c'est très important. L'entretien, ce n'est pas que les pommades que tu mets sur ton corps. Non, il y a les lèvres qui sont là qui s'entretiennent. Il y a les yeux qui sont là qui s'entretiennent. Il y a des crèmes que tu mets comme ça pour rendre ton ici là toujours frais. Comme ça, tu as un regard foudroyant. C'est très important parce que toi, une femme, même quand tu es en train de mougou avec ton mari, voilà, quand tu es en train de mougou avec ton mari, il faut que tu comprennes que ton mari, il doit te fixer. Il doit te fixer. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, c'est vrai, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, c'est pas tous les jours que tu vas allumer la lumière parce que tu as ton quotidien, tu es fatigué. Ton mari aussi, certainement, il est fatigué. Donc, il y a des fois comme ça, quand vous faites des mougoulis, c'est des mougoulis de une fois, bon, maximum 2-3 minutes parce que vous êtes fatigué. Mais il y a des mougoulis là où ça doit être des mougoulis tranchants. Quand toi-même, une femme, tu sais que ton mougoulis d'aujourd'hui, là, c'est un mougoulis tranchant. C'est pourquoi le monsieur, là, il devient fou de toi, là. Tu allumes la lumière. On n'a pas de lumière forte, là, une lumière tamisée comme ça. Tu allumes ça et puis tu mougouilles à ton mari. Comme ça, quand c'est comme ça, ton mari, là, tu le fixes. Parce qu'un homme, même quand tu es sur lui comme ça, tu es en train de le mougou, tu es en train de pomper sur lui comme ça, là. Quand lui-même, il est couché comme ça, il est comme un animal qui est abattu. Parce que c'est ça, ton mari, même quand tu montes sur lui comme ça, que tu es en train de le mougou, quand tu le fixes dans les yeux comme ça, là, lui-même, quand il te regarde comme ça, là, c'est-à-dire que tu n'enlèves pas tes yeux, tu es en train de le mougou et puis tu le fixes comme ça. Tu le fixes comme ça. Donc, quand tu vois, tu vas voir le regard de ton mari, ça se décompose comme ça. Ça se décompose. Arrivé à un certain moment, il ressemble à un lion abattu. C'est-à-dire qu'il est mort même. C'est-à-dire tellement de sensations là dans sa tête. Donc, le moral est là pour puis tu regardes comme ça. Puis tu le pompes, tu le pompes. C'est important. Le regard, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, même tout ça, ça fait partie de la séduction. Il faut que l'homme, quand tu es en train de le mougou, quand tu es en train de bien le pomper, là, faut qu'il sente que tu es une femme fatale. Pour sentir que tu es une femme fatale, c'est dans ton regard. C'est dans ta façon de faire tes lèvres, c'est dans ta façon de l'embrasser, de lui faire des bisous un peu partout. C'est important, c'est très important. C'est très important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu vas dans la séduction, ne te dis pas que ton mari et toi, vous devez mourir que dans la chambre. Non. Non. Ne te dis pas que ton mari et toi, vous devez mougou que dans la chambre. Non, ton mari et toi, vous pouvez mougou un peu partout. Dans la cuisine, vous pouvez mougou. Si les enfants dorment, dans la cuisine, vous pouvez mougou. Dans la salle de bain, vous pouvez mougou. Ton mari, même, ça dit qu'il va se laver. Pendant qu'il est en train de se laver, là, tu rentres derrière lui là-bas. Le temps, il va s'en rendre compte, là, son bangala est dans ta bouche. Son bangala est dans ta bouche. Le temps, il va dire, chérie, tu fais quoi là? Tu es en train de manger ça. Tu manges bangala là comme ça. C'est-à-dire, tu manges ça, son bangala. Tu le supprends. Les hommes, ils aiment les surprises. Les hommes, ils aiment l'effet surprise, ils aiment ça. Tu manges bangala là, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps même de parler à lui. Tu le violes. Donc, c'est là, il te dit, mais chérie, tu fais quoi? Laisse-moi me laver. Tu ne l'écoutes pas. Tu manges ça comme ça. Quand tu finis là, tu te courbes. Tu te renverses, tu coupes ça, tu donnes position debout cueillie. Position debout cueillie. C'est-à-dire, tu te mets, tu t'abaisses, tu suites là, il rentre. Pa, même pas 2 minutes, il gratte le coin. Parce que tu le surprends. Les hommes là, c'est ce qu'ils aiment. L'effet surprise, aime ça. Faut surprendre ton mari. Ton mari même, il est assis comme ça en train de regarder la télé. Ou lui-même, sa tête n'est pas sur le mougouli. Ma chérie, rentre dans la douche. C'est-à-dire que prends ton gel intime là. Voilà, mets, nettoie vite un peu, vite fait là. Bien. Tu fais un peu une petite toilette là. Et puis tu appelles ton mari. Tu dis, chérie, viens, il va te montrer quelque chose. Il va dire quoi? Tu dis, viens. Viens te montrer quelque chose dans la douche. Viens vite. Ton mari, il vient dans la douche comme ça là. Tu fermes la porte à clé. Façon, tu as fermé la porte à clé là, tu prends, tu descends en même temps son shirt qui de maison il a porté là, son bangala dans ta bouche en même temps. Tu foro, tu te mets en debout qu'il est là. Tu dis, prends-moi bébé, prends-moi. Tu attrapes le mur, c'est-à-dire le mur de la salle de bain là, tu t'attrapes comme ça, tu te cambres comme ça, ton mari te prend, mais tu peux pas comprendre. Le monsieur, mais c'est-à-dire le monsieur, ses cheveux vont se dresser, il va dire, mais la femme là, elle est folle. Mais ma femme, elle est folle, mais elle me fait quoi? Tu dis, bébé, prends-moi. Tu trembles comme ça, tu fais des choses, mais on est quelqu'un qui est en chaleur. Tu trembles quand tu attrapes le mulet. Tu te cambres comme ça, tu dis, bébé, prends-moi. Il te prend comme ça, pa. Ton mari, même quand il finit ça là, ton mari, quand il finit ça là, quand il va s'asseoir devant son match là, ou bien il va s'asseoir devant la télé là, son esprit est mélangé. Son esprit est mélangé, il est content comme ça. Lui-même dans sa tête, il dit, ouais. Il y a femme et puis il y a femme. C'est ça qu'on appelle femme.
Oui, parce que toi, une femme même, ne pense pas que toujours ton mari doit te mougou que dans le lit. Non, les hommes, à force de mougou dans le lit tous les jours, arrivent à un certain moment-là, ça devient une routine, ça devient une habitude, ça ne les excite plus, ça ne leur fait plus rien. Donc, c'est-à-dire que quand ils montent sur toi, les mougous, c'est parce qu'il faut mougou. Entends, un homme, quand tu le supprends, mais il jure, mais d'une façon, tu ne peux pas comprendre. Ton mari, quand tu le supprends comme ça, c'est-à-dire quand tu fais des choses comme ça, mais tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Tu prends ton mari, tu dis chérie, pardon, accompagne-moi. Accompagne-moi, on prend la voiture, on prend ta voiture, on prend ma voiture, ma chérie. Tu dis chérie, accompagne-moi. Tu vas, tu te gares quelque part là-bas. Tu te gares quelque part là-bas. Tu entends? Entends, quand tu dis chérie, accompagne-moi là. Tu as porté, c'est-à-dire que tu as porté un habit, genre un manteau cache-cœur. Enfin, vous voyez les par-dessus là. Les par-dessus, c'est léger, il y en a de léger et tout. Tu prends comme ça un par-dessus, tu mets sur toi. Ma chérie, tu n'as pas porté cale. Tu n'as même pas porté cale. Oui. Attends. Je vais bloquer ça là. Je vais bloquer ça. On n'a pas le temps. Je vais bloquer. Ceux qui pensent que ce qu'on entend dit là, c'est dangereux là. On les bloque en même temps, ils vont quitter là. Oui, ça c'est les pervers. C'est-à-dire que des gens dans le noir qui font des bêtises. Maintenant, sur les réseaux sociaux, ils vont venir dire, un enfant de 12 ans, un enfant de 11 ans va venir faire quoi sur mon direct? Un enfant de 11 ans à connexion pour suivre moi mon direct, il va venir chercher quoi sur mon direct? Ça, c'est un direct des adultes. Donc, toi qui as venu jouer le genre, tu connais la morale là, je te bloque. Je ne perds plus mon temps, je bloque. Moi, les yugu yugu à Dokafle, je m'attarde plus sur les yugu yugu à Dokafle. Parce que je vous dis que quand il répond aux yugu yugu à Dokafle, YouTube ne me paye pas. Donc, maintenant, les yugu yugu à Dokafle, je clique, bloqué. Je bloque ça, vite fait, je n'ai pas le temps. Tu ne portes pas de cale. Tu ne portes pas le cale. Donc, ça dit qu'en bas, là même, il n'y a pas calme. Et puis, tu es habillé comme ça. Souvent, même, tu ne mets pas soutien. Tu ne mets pas soutien. Puis, tu sors rapidement avec ton mari. Donc, le moment même, quand vous êtes dehors comme ça, là, vous vous garez quelque part là. Tu prends ton mari tout de suite là. Tu prends ton mari tout de suite là. Tu commences à toucher le bout de ceci. Tu commences à manger son bangala en même temps. Un, deux, trois. Tu es assis sur lui. Le fauteuil de la voiture là. Tu pousses un peu. Tu pousses un peu, tu t'assois sur ton mari comme ça, tu mougoues ton mari, tu le mougoues, tu piles. Lui, même quand le temps, il va s'en rendre compte, mais il a gâté le coin. Il a gâté le coin parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Oui, il ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est-à-dire que tu l'as surpris. Les hommes, ils aiment les surprises. Les hommes, ils aiment les surprises. C'est ce que je disais une fois dans l'une de mes vidéos. J'ai dit, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, que tu vas te coucher à ton mari, que à chaque fois ton mari a envie de toi, tu te donnes blanc. À chaque fois ton mari a envie de toi, tu te donnes blanc. Mais toi, une femme, même, c'est pas parce que tu es mariée. Que ton mari, s'il a envie de toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu vas accepter? Non. Il faut que tu crées un peu de mystère autour de toi. Il faut que tu lui montres que tu es inaccessible un peu. Ce n'est pas parce que tu es son épouse, ce n'est pas parce que tu es sa femme, que s'il veut te mougou du lundi au lundi, tu vas accepter? Non. Il faut créer un peu de mystère, créer un peu de doute. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ton mari a envie de toi lundi, par exemple, tu peux dire à ton mari, non, je n'ai pas envie, chérie, je suis fatiguée et tout. Oui, mais c'est-à-dire que ton mari, quand tu lui dis, tu n'as pas envie, tu es fatiguée comme ça, il est un peu découragé, il est un peu fâché. T'inquiète pas, laisse-le se fâcher. Il va dormir. Mais quand il est en train de dormir comme ça, là, tu attends vers les 5h, 6h du matin. Tu attends vers les 5h, 6h du matin. Le monsieur est en train de ronfler comme ça. Il est en train de dormir comme ça. Il est concentré sur son sommeil. Il ne sait même pas ce qu'il attend là. Toi, la femme, tu te lèves. Toi, la femme, tu te lèves. Si tu as un peu de salive dans ta bouche, va dans la douche. Rapidement, tu rinces ta bouche. Et puis tu viens, pendant que ton mari est en train de dormir, tu descends dans le drap comme ça, c'est-à-dire sous le drap là, tu rentres sous le drap comme ça, tu prends le bangala du monsieur là, tu commences à manger ça. Il est en train de dormir et puis tu le supprends. C'est-à-dire que la nuit là, tu as dit non. Quand il voulait te mourir, tu as dit non. Mais il est en train de dormir vers les 4h, 5h du matin là. On dit c'est à 4h, 5h du matin, les vraies choses se passent. C'est là même les anges sont réveillés. Tu te réveilles comme ça, tu fais espoir, tu te réveilles vers 4h, 5h du matin. Puis tu rentres sous la couette comme ça, tu vas te rincer un peu la bouche. Tu rentres sous la couette, ma chérie. Tu prends le bangala de ton mari, là, tu commences à manger ça comme ça. C'est-à-dire, il entend dormir et puis c'est goût qui le réveille. C'est-à-dire quand il se réveille, là, il y a goût dans lui comme ça. Il n'a même pas le temps de dire tu fais quoi. Quand il se réveille, il dit oh mais, il a dit... Tu manges ça comme ça, tu attrapes le bout de ses seins là, tu commences à manger ça. Le temps même, il va parler là, tu montes sur lui. Le temps, il va parler là, tu t'assois sur lui en même temps, tu commences à le pomper. Tu le pompes. Tu le pompes. Mais il dit, quand tu le pompes, ma chérie. C'est-à-dire, ce n'est pas les petits pompés, pas, non, ma chérie, non. Les hommes là, c'est-à-dire que les hommes, quand tu les supprends, il ne faut pas aller dans les papas, non. Tu vas dans les boum, boum, boum. C'est-à-dire tu mougou, c'est-à-dire tu mougou air force. Oui, c'est important. Parce qu'un homme, même quand tu montes sur lui, puis tu entends le mougou air force là, le goût de ça,
Les hommes, ils aiment ça. Moi, c'est ce que vous dites. Les hommes, là, ils sont maso. Garçon est maso. Les hommes, ils sont maso. C'est-à-dire que les hommes, là, il y a des fois qu'ils sont en mou et toi, là, ils aiment quand c'est doux. Ça les ils aiment ça. Mais la plupart du temps, là, eux, ils aiment le boum. Ils aiment ça. Tu le mougou boum. C'est-à-dire quand tu es en train d'écraser le piment, là, c'est pas le piment que tu écrases comme ça, non. C'est-à-dire tu t'assois. Quand tu t'assois sur lui, là, c'est-à-dire tu écrases. Quand tu écrases comme ça, là, tu ne te lèves même pas. Tu ne te lèves même pas. Non. C'est-à-dire tu écrases comme ça. C'est tes reins qui bougent. C'est tes reins là qui bougent. C'est-à-dire tes reins sont en train de bouger. Et puis, il n'y a pas ça. Tu ne fais pas tac, tac, tac. Non. Tu écrases comme ça. Et puis, c'est tes reins qui bougent. Tu attrapes ça comme ça. Tes reins bougent. Et puis, tu écrases. Tu écrases. Tu écrases. Mais il va devenir fou. Il va devenir fou. Goût qui va sortir dans lui là. Non. Tu le moues et puis quand tu finis là, tu te couches, ma chérie. Ton mari va ronfler. C'est-à-dire quand tu finis ça là, il ronfle. Il ronfle. Oui. Il ronfle. C'est-à-dire que le temps, il va s'en rendre compte. Ça là, tu as pris, tu as jeté ça dans sa bouche là-bas. Tu as jeté ça dans sa bouche là-bas. Tu lui dis, parce que moi, c'est ce que vous dites toujours. J'ai dit, quand vous voyez des femmes qui sont dans leur foyer et puis leurs maris sont malades d'elles là, vous êtes là, vous dites oui, elle a tamponné, elle a bassé, elle n'a pas bassé. Hein. Garçon, souvent quand tu joues les sauvages, la façon ils les font de ça. Quand tu entends le mougou, tu le supprimes, tu entends le mougou, quand tu prends ça là, tu enlèves ça là, quand tu dis moins ça. Tu dis moins ça. Il prend ça, tu fous ça dans sa bouche là. Puis quand il entend et manger, tu dis moi ça. Faut mordre. Mort. Le gars, il est énorme. C'est de façon tu entends le commander, les ordres que tu entends lui donner là. Mais vous connaissez l'excitation de ça. Ces testos là, quand ça gousse, c'est-à-dire ces testos là, il y a un qui devient handicapé, il y a un qui devient. Parce que. Là, tu es en train de le mettre dans un état. De toute façon, tu lui donnes les ordres. Là. Tout ça, là, ça le met dans un état. Tu dis, mange ça. Faut mordre ça. J'ai dit, mort, fais-moi mal. Là. Mort. Et puis le gars, il sait ça. Comme ça. Il mange ça, il mord ça d'une façon. Et puis tu le mougou. Tu le mougou. Tu écrases le piment. Le piment, là, tu écrases comme ça. Parce que piment, là, on n'écrase pas piment. Tu écrases comme ça. Et tu te lèves pas. Tu écrases, 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 écrases. Oui, ton clic là, tu forces ça sur son pubis là-bas. Quand tu as mis le gel clic là, tu forces. Le monsieur devient fou. Toi aussi. Le monsieur devient fou. On parle de séduire un homme. On parle de séduire un homme. Moi, je vous dis toujours, moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis dans la pratique. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, si tu as fait ça, maman, tu n'as pas regretté. Ton mari va devenir fou de toi. Ton mari va être malade de toi. C'est-à-dire que ton mari te regarde dans la maison et puis il sourit seul. Tu lui dis, mais pourquoi tu souris? Il dit, non, il n'y a rien. Tellement qu'il en jaillit, tellement il est complet. Oui, c'est ça. C'est pour ça que toi, une femme, même ta poitrine, tu dois en prendre soin. Toi, une femme, ta poitrine, tu dois en prendre soin. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même, ne pense pas que c'est seulement la chirurgie esthétique qui va te donner des seins. C'est vrai que la chirurgie esthétique, quand tu fais, tu as des seins tout de suite à midi pile. Mais toi, une femme, même, quand tes seins sont à 15h ou tes seins sont peut-être à 17h, tu dois savoir que le plus important pour une femme, sa poitrine, c'est la fermeté. La poitrine, c'est le côté lourd. C'est-à-dire, quand ta poitrine, quand c'est lourd comme ça, voilà, quand c'est bien lourd comme ça, même si c'est un peu affaissé, c'est pas un problème. Oui, par exemple, garçon, même là, c'est pas son debout, son affaissé, là, lui, il regarde. Lui, il regarde la qualité même des seins. Et quand il touche là, ça n'a qu'à être velouté, ça n'a qu'à être lourd. C'est ça, garçon, regarde. C'est ce qui est si garçon. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, même là, tu dois savoir que tu dois prendre soin de ta poitrine. Tu dois avoir tes gels que tous les jours, le matin, le soir, tu appliques sur ta poitrine, tu fais les massages. Tu fais les massages. Ça fait que ta poitrine reste bien. Ça devient lourd, ça devient bien, c'est bien entretenu. Ton mari, même quand tu entends le mougou comme ça, et puis poitrine, tu lui dis, tiens, moins ça. Quand lui-même, il regarde poitrine, quand poitrine met dans sa bouche, lui-même, il est content. Lui-même, il est content. Ben, il voit poitrine, il voit que c'est qualité supérieure. C'est très important, mes chéris. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu veux même boucler, tu veux boucler même la séduction pour que ton mari soit accro à toi, toi, une femme, tu dois savoir que tu ne dois pas dépendre de lui. Non, parce que toi, une femme même, quand tu veux vraiment séduire ton mari, quand tu veux vraiment le rendre accro, quand tu veux être vraiment attirante, tu ne dois pas dépendre de lui. Tu dois être indépendante. C'est-à-dire que tu dois avoir ton travail. Tu dois avoir ton argent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il va te donner l'argent. Toi aussi, tu dois avoir ton argent pour vraiment
prendre soin de toi, pour vraiment t'occuper de toi. Et le fait même d'être indépendante, le fait même d'avoir ton travail, le fait même d'aller travailler, le fait même de faire ton business, ton commerce et tout, tout ça, ça fait partie de la séduction. Parce que tu es occupé. Les hommes, ils aiment les femmes occupées. Les hommes, ils aiment les femmes qui ont une préoccupation, c'est-à-dire qui ont une occupation, pardon. Qui ont une occupation. Les hommes, ils aiment ça. J'ai oublié de donner mon numéro pour tous ceux qui veulent me joindre, pour prendre tous les produits que j'ai proposés. Merci de me contacter au 00 337 55 13 88 87. Je répète, le 00 337 55 13 88 85 du côté de la Côte d'Ivoire. Vous appelez ma petite sœur au 08 40 02 86. Je répète, 08 40 02 86 du côté du Bénin. Du côté du Bénin, je me demande si elle a encore ses produits. Est-ce qu'elle a encore des produits? Parce qu'elle, elle a un peu de produits là-bas. Attendez, je vous donne ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Au niveau du Bénin, je vous donne le numéro. Vous faites le 96 25 27 53. 96 25 27 53. Du côté du Togo, je suis en rupture de stock de beaucoup de produits, mais elle a quand même des produits pour tomber enceinte, fibrome et tout. Merci de contacter ma représentante au Togo au 93 06 91 06. Je répète, 93 06 91 06. Du côté du Sénégal, elle est en rupture de stock. Donc, comme les frontières sont fermées, j'attends, je vais faire partie de tous les stocks et puis je vais vous donner tous les numéros de mes représentants. Vous allez entrer en contact avec elle. Je répète mon numéro. C'est le 00 337 55 13 88 85 pour me contacter, pour commander tous vos produits, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour redonner de l'oxygène dans votre couple. C'est ça, toi, une femme. Pour être vraiment séduisante à 100%, il faut que tu sois indépendant. Il ne faut pas tendre la main à un homme. Parce qu'un homme, quand tu lui tends la main, arrivé à un certain moment, tu ne peux plus être séduisante. Parce que c'est lui qui tient ta vie. Voilà, c'est-à-dire que quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'acheter quelque chose pour pimenter, tu ne peux pas. C'est lui qui tient le porte-monnaie. Non, toi aussi, il faut que tu sois indépendant, avoir ton argent. Toi aussi, il faut que tu fasses des choses qui te font plaisir, qui t'épanouissent. C'est ça la séduction. Quand une femme même, tu es comme ça, tu es une femme complète. Tu es une femme, tu es une séductrice. Voilà, ton foyer ne peut que marcher. Il ne peut qu'avoir de l'oxygène dans ton couple. Il ne peut qu'avoir du bonheur dans ton couple. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Il y a une qui dit, je peux vous représenter au Cameroun. D'accord. Toi qui veux me représenter au Cameroun, je cherche des représentantes au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, à l'île Comores, parce que les Comoriennes aussi commandent beaucoup, en Guadeloupe. Voilà, je cherche un peu des représentantes comme ça partout. Voilà, comme ça vous aurez mes produits parce que ça cartonne, hein. C'est des produits qui cartonnent. Maintenant, en Europe ici, aux États-Unis, en Amérique, c'est moi-même qui fais l'expédition. Moi-même, je peux vous expédier, c'est pas un problème. Donc, vous rentrez en contact avec moi, on va voir tout ça. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Oui, c'est la coach Amon Chic. Oui, en Guinée aussi. Si vous voulez me représenter en Guinée, on va voir tout ça. Inbox, rentrez en contact avec moi, on va voir tout ça, on va mettre tout ça en place. Vous avez compris, mes femmes sûres, c'est la coach Amon Chic, c'est la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quelle MP, Pep, voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu vis, avec elle, tu ne palanes pas. Tu n'es pas dans la théorie, tu es dans la pratique. Oui, pour toutes celles qui ont besoin de cette perruque, cette belle perruque que j'ai portée aujourd'hui, merci de contacter la dame qui m'a offert cette belle perruque-là. Elle est à Bagneux, au 06 16 86 00 61. 06 16 86 0061. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.